Tradition respectée sur le circuit de Zandvoort, près de la mer du Nord. La pluie est au rendez-vous. Max Verstappen et De Vries vont faire du mieux possible pour contenter les 80 000 spectateurs venus les soutenir. Quant à nous, l'objectif est simple, quitter la cure. Allez, c'est parti pour la qualif avec une piste très glissante, pas de DRS. Oh, un petit peu ce que peut donner un tour chrono dans ces conditions. Avec une voiture dont le train arrière est assez glissant. Mais on est tous logés à la même enseigne, mais demain, il fera sec. Et vous connaissez ma philosophie, les points, ça se prend le dimanche. Donc on va voir un petit peu si on peut déjà faire quelque chose face à l'IA sur un tour. Peut-être que les conditions de pluie vont nous aider. Après, c'est très très limite niveau adhérence. Hein. Je sens que je suis à la limite. Pas mal de sous-virages également. La voiture tient pour l'instant. En sortie de virage, ça patine, bien sûr. J'ai aucun delta, j'ai pas d'infos. Ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas de DRS et qu'en cinquième, je patine encore. Et c'est des conditions qui pourraient presque convenir à des pneus slick. Est-ce qu'à une minute de la fin, on n'a pas loupé le coche? En voulant peut-être essayer des pneus intermédiaires. On sera en slick, hein, je pense, pour la Q2. Si on y accède. Wow. Oh, le banking est très dangereux dans ces conditions. Et on se met 14e pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Nous sommes en Q2. Eh bien, en effet, on est en Q2. Tout le monde est passé en intermédiaire. Alors, de nouveau, Pierre dans les bons coups. Verstappen devant à domicile. Ça, c'est pas forcément la surprise, par contre, derrière une AlphaTauri éliminée, celle du Britannique Jack Aitken. Une Williams en Q2, c'est à souligner, celle de George Russell. On reste très prudent, parce que malgré tout, il ne faut pas se faire piéger par les vibreurs qui sont plus vicieux que ce qu'on ne croit. J'aurais pu rester en 4, je vais peut-être enchaîner un deuxième tour sur ma lancée. Si jamais celui-ci n'est pas suffisamment convaincant. Effectivement, on a du temps à gagner sur tout le circuit. Que je redécouvre dans des conditions claires. Il y a moyen d'améliorer facilement. Facilement une bonne demi-seconde. Voilà, c'est ce qu'on a d'avance d'ailleurs en jetant un coup d'œil en haut de l'écran. Véritablement une marge de progression, on le voit sur ce deuxième tour. C'est de ne pas perdre trop de motricité. Très perturbante la voiture, mais ça va. On va voir un petit peu avec les 8 dixièmes de mieux si on peut améliorer notre chrono. On passe 15e. Passe 15e de cette séance. Et encore une fois, je sais pas pourquoi, on est bloqué en Q2. C'est vraiment extrêmement frustrant parce que finalement, je me dis, merde quoi, si on arrivait à avoir un bon samedi, ce serait tellement plus simple quoi. Une seconde 6 quoi, on est au temps des Williams quoi. Je prends tellement cher en qualif, je comprends pas. C'est vraiment une énigme parce que je vous avoue que la voiture fonctionne bien, mais sur un tour, elle veut pas. Je commence à perdre espoir parce que ça fait 3 grands prix qu'on débute dans le noyau dur du peloton alors qu'on pourrait partir top 10 quoi. Donc c'est. Je sais pas, alors est-ce que c'est encore un bug de Codemasters avec le fait qu'on accélère le temps, l'IA, le niveau, j'en sais rien. Mais franchement, sur les qualifs, il y a un abus de l'IA qui est vraiment insurmontable pour moi. Donc on baissera peut-être la difficulté, j'en sais rien, mais pour l'instant ce qu'on sait surtout c'est qu'en Q3, bah, y a Pierre Gasly et pas nous. Très heureux de vous retrouver ici, à une quarantaine de kilomètres d'Amsterdam, sur le circuit de Zandvoort qui longe le littoral de la mer du Nord.
Une course que Jim Clark maîtrisait parfaitement avec 4 victoires à son actif et un total cumulé de 370 tours en tête de l'épreuve. Reste à savoir qui réussira à prendre la relève et à dominer le Grand Prix des Pays-Bas aujourd'hui. Les 14 virages du circuit serré et technique de Zandvoort devraient autant satisfaire les pilotes que les spectateurs. Avec ses nombreux dénivelés qui serpentent au fil des 4,2 km, une concentration intense sera nécessaire pour y signer un bon chrono. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier, il s'élance en pole position et Valtteri Bottas complète la première ligne. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Hamilton, Gasly, Sergio Perez et Sainz, Ricciardo, Albon, Stroll et Lando Norris, Kvyat, Leclerc, Esteban Ocon et Grosjean, le rookie, Russell, Jack Aitken et Kevin Magnussen, De Vries, Zhou, Latifi et Antonio Giovinazzi qui part dernier sur la grille. Ça y est, il est l'heure du départ, tournons-nous vers la grille pour la course du jour. Okay, how was the pull away? You'll have a bit more grip than that on the start, but we need to warm the tires properly now. Make sure you get some heat into the brakes as well. Pas mal de stress au départ de ce Grand Prix des Pays-Bas parce que les premiers virages peuvent être meurtriers. Et on va essayer de faire les choses dans le bon ordre. Mais je vous avoue, je commence à avoir du mal avec ce niveau en qualification. Et je pense pas avoir d'autre solution pour l'instant que de baisser peut-être le niveau de l'IA. Peu importe. En tout cas, on part loin. Encore une fois, 15e position. On est bloqué à cette 15e place. On ne veut pas nous offrir mieux alors que Pierre est de nouveau dans le top 5 le samedi. Pas mal d'améliorations de fiabilité ont été mises en place lors de la R&D. Donc peut-être que Pierre va pouvoir cette fois-ci aller au bout de ses rêves, en tout cas au bout du Grand Prix. Et on va essayer de le rejoindre au prix de la stratégie. Il peut y avoir des accidents ici, on l'a vu dans le passé, dans cette carrière. Mais voilà, j'ose espérer que la situation tourne à notre avantage. On sait qu'il y a AlphaTauri et Alpine qui ne sont pas loin, on est toujours 3e du championnat. On a un peu sauvé les meubles par rapport à Pierre. Donc on va essayer de continuer sur cette lancée. Une piste qui peut convenir à la voiture. Attention cependant à l'usure des pneumatiques. On pourra avoir de bien mauvaises solutions. Du coup on a amélioré un peu le jeu du côté de Codemasters. Puisque du coup on n'est pas rentré à travers Romain Grosjean. Qui partira sur l'AlphaTauri 14e juste à l'intérieur. Et on est du côté propre de la piste, ça devrait nous avantager au moment de l'extinction des feux. Allez, la procédure de départ de ce Grand Prix des Pays-Bas. Et on roule à Zandvoort. On passe déjà une Ferrari, celle de Leclerc. Attention à Ocon et à Kvyat. Et à l'extérieur, sur le pilote russe. On essaie de garder notre place sur la piste. Départ correct, départ plus que correct. On est au niveau d'Alexander Albon. Kvyat n'est pas encore battu. Pas encore. Il va avoir l'avantage à l'intérieur. C'est très très chaud. On est toujours côte à côte avec le pilote russe. On va lui laisser la place. Et on passe. In extremis. Oh, elle est bonne, on touche. On n'a rien cassé. On n'a rien cassé, mais c'était chaud avec le Thaïlandais. Qui est toujours à notre gauche. Oh, Albon, qu'est-ce qu'il nous fait? Allez, nous on passe. Méthode chausse-pied, ça a fait ses preuves. On insiste et on est devant. La moins véloce des Red Bull. Et on va combler le premier tour déjà. Premier tour couvert. Ça tourne vite. Meilleur tour pour Verstappen, le leader. Okay, you're in the top 10. Et nous sommes dans le top 10. C'est la bonne nouvelle. Premier tour, 9e place. Alors attention, fiabilité mécanique de ce début de saison pour avoir de mauvaises surprises. Et donc j'ai un peu peur, même si Pierre, je pense, a assez mangé son pain noir. Albon qui est vraiment pas loin.
Stroll devant Sainz et Ricciardo sur la Ferrari. Bon départ des deux Mercedes. Bon départ aussi de Pierre qui est en quatrième position dans ce début de course. Toujours pas de DRS. On va consommer un petit peu de carburant. Surtout si on se paye un safety car. Ce qui aurait pu arriver au départ. Pour l'instant, les départs sont calmes. Hein. On n'a pas de neutralisation anticipée. Et par contre là, voilà, on va être vraiment mieux que les autres niveaux motricité, je crois. DRS is being enabled this lap. We can use DRS when you are within one second of the car ahead and in the DRS zone. Et la preuve en est, même sans utiliser le RS, nous avons le meilleur troisième partiel pour l'instant du Grand Prix. Attention, ça glisse malgré tout. Albon qui n'est vraiment pas au mieux. On talonne, hein. On talonne. L'Aston. On a le DRS. Occasion pour nous de se rapprocher de l'Aston. Toucher du bout de l'aileron. Et regardez, avec le mélange riche, on doit même freiner pour pas toucher l'Aston. Mais avec le moteur Mercedes, on peut être meilleur avec le moteur Honda. Et on passe. C'est pas fait. C'est pas encore fait. Si, ça y est. Et Jeff qui nous encourage dans cette manœuvre. Beau dépassement. Je suis plutôt content là. Et on arrive derrière l'une des voitures les plus instables depuis le début de la saison, la McLaren. Sainz qu'on a déjà vu en vrac en Chine. On pourrait nous faire la même blague ici à Zandvoort, puisque les virages se ressemblent un petit peu par rapport à certains en Chine, très appuyés. Et Pierre devant, toujours quatrième, on essaie de le rejoindre. On peut faire sauter la McLaren, hein. Facilement. Regardez, avec l'ERS et le mélange riche, on est très très bien. Ah, on va pas la faire sauter ce tour-ci. Ah non, on ne pourra pas. Par contre, on est imprenable sur le troisième partiel, hein, vraiment. Voyez, voyez, je vous parlais de ces dérobades de la McLaren. Il en a fait une belle, là. Notre ami Carlos, qui était aussi intéressant sur le marché des transferts pendant l'intersaison. Mais Pierre était tellement au-dessus. Je me voyais mal passer à côté de l'offre pour 12 millions. Attention, drapeau jaune. C'est une voiture de Ted. C'est pas Pierre, j'espère. Alors, semble-t-il, c'est une... Oh, c'est un moteur Mercedes. Oh, et c'est Bottas. Ah oui, le leader du championnat qui casse son moteur. Bon, est-ce que ça va nous amener une safety car? Pas impossible. En tout cas, ça nous a bien ramené Stroll dans les rétros. Alors Pierre qui a de la marge par rapport à Perez. Oh, je me suis loupé. Je suis bien loupé sur ce coup-là. Heureusement, on a toujours le DRS pour nous sauver. Voilà, on nous parle de stratégie. Ouais, oui, on nous met des pneus hard là, on va changer ça. Ah oui, qu'est-ce qui nous a mis cette stratégie? Voilà, des médiums pour le prochain arrêt. Putain, c'est très compliqué à régler en roulant ici dans les enchaînements. Et toujours drapeau jaune, on n'a pas évacué la Mercedes qui est toujours arrêtée en bord de pit. Toujours sur le bord de la piste, hein. La Mercedes.
pas être content. Bottas qu'on l'ait pas évacué. Alors que nous on a des difficultés avec les gommes. Sixième tour, ça promet pour la suite. Ouais, regardez, on bloque. Vraiment pas à l'aise. Là le peloton qui s'est vraiment resserré derrière nous. Après on bouchonne pas, hein, soyons clairs. Est-ce qu'il va y avoir un TRS pour la McLaren? Non. Notre salut est là pour revenir sur Carlos. Allez. Elle est nulle part en milieu de virage cette voiture. Nulle part. Et on peut en profiter, on doit en profiter même. Ça va être très compliqué là pour Sainz, à moins qu'il rentre. We're approaching the pit window. You'll be on the mediums. Et on est passé à l'extérieur. J'aime beaucoup ce dépassement. Dans la courbe de Tarzan. Oh, est-ce qu'on va se faire avoir? Non, il est derrière. Je croyais qu'il était plongé à l'intérieur. Petit effet d'optique. On est maintenant derrière Ricciardo. Et Pierre qui pourrait avoir ce fichu premier podium qu'on cherche depuis deux grands prix. Et je pense qu'on peut dire qu'on mérite. J'espère que vous êtes d'accord. Bien en médium pour le prochain arrêt. Il va bien sur les vibreurs là, avec l'avant de la voiture. On ne se loupe pas. Et c'est tant mieux. Et on a été chercher un maximum d'aspi alors que Pierre est dans la pit lane. Verstappen, qui est le leader du Grand Prix, va ressortir juste derrière l'une des AlphaTauri. Alors, quant à vous dire laquelle, j'en suis incapable. Mais il est bien englué dans le trafic, Verstappen. Et Pierre, par contre, tout comme Hamilton, sont tranquilles. Oh, on est limite, mais on passe. Allez, des médiums pour cet arrêt au stand. Et ça repart. Attention, où va-t-on repartir? Faut bien respecter la ligne blanche, c'est tout juste. Et on est devant. On est devant une des Alfa Romeo, celle de Nyck de Vries, qu'on n'a pas encore vu beaucoup cette saison. Le néerlandais, deuxième héros national après Verstappen. C'est vrai qu'il y a deux Hollandais cette année en piste. Alors qu'on nous annonce des problèmes mécaniques pour Alexander Albon sur la deuxième des Red Bull. Peut-être aussi une occasion de récupérer des points. Donc pour l'instant, Hamilton, quatrième, Gasly, cinquième, on est sixième. Techniquement, on est 3 et 4 hein, du côté de chez Yarrows. On pourrait faire un carton plein si Albon a des problèmes et que Bottas a abandonné. Moi, je signe tout de suite. Et je signerai surtout pour que Pierre aille chercher Hamilton. Mais alors là, vu les gaps, s'il n'y a pas de safety, c'est compliqué. On a une Renault qui était encore en piste, qui n'avait pas ravitaillé devant. Ainsi qu'une Haas, je crois, ou une AlphaTauri. Alors on est un petit peu dans un no man's land maintenant. C'était Gviat et Grosjean, exactement, qui n'avait pas opté encore pour la pit lane. C'est chose faite. Et on retrouve donc les deux Yarrows pour l'instant en 3 et 4ème place. Allez Pierrot, ce podium, c'est maintenant. On le veut, on en a besoin. Et au classement constructeur, on pourrait faire vraiment la bonne affaire. Quand on voit que les deux voitures peuvent gagner, si seulement on avait des samedis moins noirs. The gap behind us is 1.8 seconds. Seconde 8 d'avance pour l'instant. C'est vrai qu'on n'a pas de DRS pour nous aider à tenir les voitures devant nous.
Verstappen qui a quasiment course gagnée hein, dans ce 11e tour, mais tout peut encore arriver avec ce qui se passe derrière, c'est-à-dire un peloton ultra compact avec Ricciardo, avec Perez et les autres. Nous, eh bien, on doit user cette ERS. Pas à des fins tactiques, mais à des fins de rythme pour l'instant. Pour l'instant, on a 3 secondes 1 de retard sur Pierre. Voir si le gap évolue dans un sens ou dans un autre sur un tour. Non mais l'écart devant Verstappen, Hamilton et Pierre, c'est hallucinant quoi. Il y a 7 secondes entre moi et Hamilton. Il y a quand même du boulot encore pour aller rechercher ces deux-là. Quatre secondes maintenant, donc on perd sur Pierre, c'est certain. Et derrière, surtout, on gagne sur nous. C'est un ERS oublié pour ce 14e tour de Grand Prix. Là, au classement constructeur, par contre, on fait vraiment la bonne affaire avec ce premier podium. On m'a dit qu'il fallait être performant et on l'est. Ok, on est une seconde plus vite du côté de l'Aston Martin de Perez. Donc on va avoir une fin de course sous haute tension en espérant qu'il n'y ait pas de contact. Enfin, je vous avoue qu'une safety car me sauverait les miches. Mais au 15e tour, difficile de sortir une procédure. On sait que c'est rare en toute fin de course que la course se neutralise. Il va donc falloir se cracher dans les mains. Oh là là, il est très très bon le pilote Aston là. Oh, il nous fait l'extérieur Sergio. Pendant ce temps-là, du côté de Verstappen, on se pose pas de questions. Alors que nous, on essaie de se sauver. Pas d'autre mot par rapport à la voiture de Perez. On essaie de couper la spi. On fait ce qu'on peut. Il reste 3 tours. Il faut les tenir. Je crois que ça devrait aller. Dites-vous qu'on a des pneus un tour plus frais quand même que Perez. Ça nous anime un peu cette toute fin de Grand Prix. Alors que par rapport à Pierre et Hamilton, on a lâché. Hein. Que ce soit clair et net, on n'a pas pour l'instant les capacités d'aller rechercher ces trois-là. C'est aberrant. Le gap, par contre, il y a vraiment quelque chose que je ne dois pas comprendre dans la voiture. Il faut trouver. Il faut trouver la clé. Quand on l'aura trouvé, on sera beaucoup mieux. Alors qu'on a 3 tours de carburant. S'éloigne un peu hein, de Perez. Il est chaud Perez, il est très très chaud. Non! On s'est touché. Et Perez qui doit avoir un bon... Oh, Perez qui a un problème. Alors est-ce qu'il a abandonné Perez? Non. Mais il a... donner un grand coup de frein. Surprenant. On va attaquer le 18e et dernier tour. Ah, Perez, compliqué là le contact avec le Mexicain. This is your final lap of the race. Il a un petit peu retenu du coup l'accélérateur. C'est Ricciardo qui est repassé. Dernier tour tranquille, on va rester en mélange standard pour aller au bout. Daniel Ricciardo ne sera pas une menace dans cette fin de course. Et on aura droit à un classement intéressant devant. Avec le premier podium pour Yarrow cette saison.
Il aura fallu 3 grands prix pour y arriver. C'est Pierre qui va monter sur la 3ème marche. Victoire incontestable de Max Verstappen à la maison. Attention tout de même à la Ferrari de Ricciardo. Allez, on va aller au bout et récupérer une nouvelle 4ème position. Celle-ci est intéressante pour l'équipe parce que c'est le meilleur résultat global, je pense, depuis la création de l'usine. On est content. Beaucoup ont douté de ses capacités, mais il s'en est superbement tiré sur le circuit de Zandvoort. Il remporte aujourd'hui cette victoire avec classe. À votre avis, Nicolas, qu'est-ce qui a fait qu'il a pris le dessus sur les autres aujourd'hui ? Je dirais que c'est une fois encore le résultat d'un pilotage de qualité et régulier, des trajectoires parfaites dans les virages en prenant en compte les conditions du circuit et en appliquant à la perfection la stratégie de l'équipe. Tout a été respecté et les résultats parlent d'eux-mêmes. Et c'est Red Bull qui remporte cette course grâce à une maîtrise incroyable de son pilote. Ils ont fait beaucoup d'efforts ces derniers temps pour rester compétitifs face aux autres écuries et ça a payé aujourd'hui. La hiérarchie de ce Grand Prix des Pays-Bas, carton plein pour Verstappen, pole, victoire, meilleur tour. 26 points pour le Néerlandais qui doit prendre la tête du championnat. Derrière nous, eh bien, on fait une super performance quand même pour Yarros avec les 3 et 4e positions. On prend de nombreux points par rapport à Red Bull et surtout par rapport à Alpine et, oui, et Aston Martin, il faut le dire aussi malgré tout, puisque les deux voitures sont, je regardais, 6 et 9e. Les deux McLaren dans les points également, ça fait du bien. Déception pour Grosjean sur l'AlphaTauri qui termine malheureusement 11e parmi les abandons. Et bien on ne comptera finalement que Valtteri Bottas. Si on jette un coup d'œil au classement général, et bien c'est voilà Verstappen qui est en tête pour 59 points contre 52 pour Bottas. Hamilton 3e, donc les deux Mercedes bien installés. On est 4e, c'est à peu près une bonne moyenne pour nous, ça correspond à nos résultats depuis le début de la saison. Gasly 8e par contre, c'est très maigrement récompensé. Et Yarros 51 points. On pourrait peut-être jouer les troubles faites entre Red Bull et Mercedes. En tout cas, il faudra compter avec nous pour la suite de la saison. Alors, la R&D en est où elle en est, c'est-à-dire qu'on est au bout de pas mal de choses. On va continuer à développer le châssis, 1400 points pour cette partie-ci. On a encore des évolutions en cours, on ne peut pas faire plus pour l'instant du côté de la fiabilité. On est au bout au moteur. Alors, est-ce qu'on a quelque chose qui est dans notre budget ici? Non, ça coûte trop cher. Bon bah écoutez, on va en rester là. Ah non, bah, on peut pas développer pour l'instant plus d'éléments. Donc on va en rester là pour la R&D. Si on regarde le calendrier des activités, on peut mettre pas mal de choses. Alors on va demander à travailler sur la longévité. On a pas mal de choses en cours. Pour le reste, on peut pas faire grand chose d'autre. La chaîne motrice, malgré tout, on va les motiver. On va mettre aussi un peu Pierre au bout du jour. Relation sponsor ou oui, un peu de relation sponsoring. On va sacrifier un petit peu de temps. Alors, les améliorations vont-elles porter leurs fruits? Oui, on va donc arrêter tout de suite. Bon, et bien maintenant que tout le monde a le moral au beau fixe, on va pouvoir se tourner vers Monaco qui sera la 4ème épreuve de cette saison assez rocambolesque. On espère que là, on pourra défendre nos chances lors du samedi. En tout cas, on va tout faire pour parce que sinon, les choses s'avéreront beaucoup plus complexes lors du Grand Prix. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette 3ème épreuve. N'hésitez pas à vous abonner. Rendez-vous dans les commentaires pour vos questions et débriefer un petit peu cette course. Votre avis compte, bien sûr, je vous lis et je vous écoute tout le temps. A la prochaine, salut !